Salut, YouTube, il y a Rabia qui veut aller sur le bureau. Ça n'a rien à voir avec ce que... Voilà. Non, tu bois pas dans mon truc. Dis donc. Ça. C'est parti pour Outer Wilds, le DLC. Ah, donc j'ai un début de sachage de là où il faut aller. Et oui. Parce que pourquoi? Parce que je l'ai vu. Je lui parlais à lui. Pas me faire tuer. Non, bah non. Non, rien à dire. Hop! Et donc, il faut aller. Pas là. C'est chiant ça. Moi, je vais aller à la bibliothèque là. Hoppa. Alors, je dis ça parce qu'en fait, j'ai vu des gens faire du speedrun et ils y arrivent. Les gens qui speedrun, ils arrivent à sauter direct là. Bon, moi, j'arrive pas à croire que je suis pas un speedrunner quoi. Alors. On va monter tout là-haut, tout là-haut. Ouais, dur ce passage, jamais réussi non plus. Ça se trouve, il y a deux frames où... parce que ouais, on charge le saut, hein. Il y a un truc. Le saut, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais le saut, il est chargé. En fait, c'est... Vous baissez, ça charge le saut, et si vous attendez trop longtemps... Oh, ça marche. Ah voilà, là, voilà, ça va sauter moins loin du coup à un moment. Quoi là? Ok. Allez, let's go. Mais pourquoi je suis pas allé chercher mon... Pourquoi je suis pas allé chercher mon attirail là? J'aurais pu aller chercher. Donc voilà. Donc j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'ils disent? La tour de transmission présente sur Atrebois a été construite pour recevoir des messages de notre satellite d'espace lointain. Ça, je suis allé le voir. Elle abrite encore aujourd'hui les toutes premières photos de notre système solaire entier. Nous devons ces photos à l'orbite verticale inhabituelle du satellite d'espace lointain, qui le porte loin au-dessus et en dessous du plan du système solaire. Grâce à une amélioration récente, le système d'espace lointain assure à présent la création de la carte du système solaire en temps réel utilisée par nos nouveaux astronautes. C'est rigolo, ça explique en fait pourquoi... Ah, il est disparu. Ça explique pourquoi on a une carte live de ce qui se passe. Il y a une explication. Donc il faut que j'aille dans le cabanon de jardin. Il y a un cabanon de jardin. Qui est donc sur Atrebois. Alors. Petit cabanon de jardin. Ça va être où? Ça va être où? Oh bah! Voilà. Hein. Non mais voilà, suffit de me demander, hein. Pourquoi il y a une petite forêt là? Pourquoi il y a une petite forêt toute mignonne à côté? Ah.
J'ai vérifié au moins 1000 fois et pourtant les images de la tour de transmission sont toujours pas prêtes à l'impression. Satellite surveillé, jamais ne transmettre données comme on dit. Ah, c'est une petite blague pour toi ça journal, personne ne dit ça. Un de ces jours il faudra que j'étudie les raisons qui font que le temps ralentit autant quand j'attends quelque chose. D'ici là j'en ai parlé à Gabro, notre expert local, pour ce qui est d'ignorer le temps qui passe et qui m'a recommandé de faire ce qui suit. Les trois étapes inratables de Gabro pour s'endormir. Allumer un bon feu de camp bien chaud et se mettre à l'aise. Fixer la chaleur sereine du regard. Le temps commencera à défiler. Commencera à filer et les flammes vous plongeront dans un sommeil paisible. Si Gabro savait que j'avais pris des notes, je me ferais traiter de malade. Mais je refuse d'accepter la moindre pique de la part de quelqu'un qui brûle délibérément. C'est Guimauve. Ah mais c'est le... C'est... Merde, comment ça s'appelle ? La méditation en fait. On apprend la méditation, enfin il y a d'autres moyens de l'apprendre la méditation mais Ok, donc ça c'est la tour. Ça marche. Alors, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ici ? Enregistrement. Eh, ça enregistre. Voilà deux jours que le satellite d'espace lointain a été lancé. Je suis sur le point de visionner les premières images. Ce jeu t'a marqué d'une pierre blanche car le programme me disait... Ah, elle s'imprime, les voilà. Par les étoiles, regardez-moi ça. Voici gravité. Et regardez là, c'est la lanterne. Ici, c'est Léviat et la lune quantique. Je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots. Chacun des corps astraux de notre magnifique système solaire, sublime sous chaque angle dans la moindre de ces images, et tout ça en couleur, ça c'est de l'art. Je pourrais fixer ces photos pendant des jours, vous ne trouvez pas Atrebois minuscule depuis... Attendez, c'est quoi ça? C'est impossible. C'est... Je veux dire, vraiment, c'est impossible. C'est moi qui lis mal la photo. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que ça n'apparaît pas sur les autres images. Juste sur celle-là. J'imagine que c'est l'appareil qui a eu une défaillance. C'est la seule explication que je puisse donner. J'ai envoyé un message à Gabro et lui demander d'aller vérifier l'état de la lentille du satellite. Alors, spoiler, on a été voir la lentille du satellite. Enfin, on a été voir le satellite. Et la lentille, elle est bien. Alors, 248 degrés. 350 degrés. Alors, on voit par dessus. Hein. On le voit par le dessus. Il y a tous les astres qui tournent sur le même axe. Et l'autre qui est au-dessus. Et là, il y a Gabro. Il y a le bro. Il y a le bro Gabro. Et là... 40, il y a un caca. Il y a un caca sur la lentille, mais qui n'est pas un caca sur la lentille du coup. Va falloir que j'y retourne en fait. Oui. Alors. Il est où le petit satellite? Ouh, petit satellite. Il est là, regardez, il est là. Ah, je l'ai. Tac. Allez, j'y vais en auto. Hein. What the fuck les amis? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous croyez qu'il se fait des petites siestes? Tour de transmission conçue pour recevoir les photos prises par le satellite d'espace lointain. Plusieurs photos du système solaire entier ornent les murs. Cornet a remarqué un détail étrange sur une d'elles, mais a conclu que la seule explication rationnelle est une défaillance matérielle. Alors sinon je suis allé voir le journal complet et il m'en manque plein en fait ici, il m'en manque 3 ou 4 au-dessus qui sont liés à la méduse gelée. Donc faudra qu'à un moment ou un autre j'y retourne quoi.
Ah, il se barre, regardez. Alors, on est où? On arrive trop tard. On arrive trop tard parce que c'est 40 degrés. Et là, il augmente. Et je me rappelle que quand je l'avais fait, c'était en fin de boucle. Et il était à 300 et des bananes, quoi. Gabro, gna gna gna. Bon, ça, je l'avais déjà lu. C'est vrai, la lentille. Qu'est-ce qui va pas? Tout à l'imparcable, le centre de contrôle. Pas de poussière ni d'influence sur la lentille. Aucun signe de problème électrique. D'explosion violente. On dirait qu'il n'y a pas de défaillance matérielle finalement. Du coup, il va falloir que je roupille. Ou alors, je vais faire autre chose. Qu'est-ce que je peux aller faire? Qu'est-ce qui me manque que je pourrais aller faire? Là, c'est pareil, il y a un lien entre le canon et la lune quantique. Ou, enfin, il me manque un truc aussi ici. Ça, je le sais. Qu'est-ce qui peut me manquer? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah bah, je vais tenter. Ouais, allez, go. Ah, moi, j'aurai peut-être pas le temps. J'allais dire, je vais tenter d'aller sur la station solaire, mais je vais peut-être pas avoir le temps. Ah, il manque quelques liens, en effet. Tu vois, on est d'accord. On va essayer de se faire la station solaire, hein. Comment ça? Comment ça, faire du pilote automatique? C'est quoi ces conneries? Hein? Pourquoi le pilote automatique, il est mort? Le pilote auto refuse d'aller sur le soleil. Ah. Alors quand c'est pour nous envoyer dedans direct, y a pas de problème. Par contre, quand c'est pour que j'aille en direction du soleil, là y a plus personne. Hein. Super, hein, merci. Merci le pilote auto. Hein. Alors, maintenant, faut que je sois aligné avec le machin là. Il est là. Non, 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 oh putain, mais non, non, non. Oh, le soleil. Ah, le pouvoir d'attraction du soleil, c'est ouf. Hein. Dès qu'on est un tout petit peu plus près, c'est mort. On est attiré direct. Hein. Faut tout le temps. En fait, là, ouais, j'aurais dû continuer à avancer doucement et tout. Parce que dès qu'on s'en approche, on est irrémédiablement attiré et c'est mort, quoi. Bon, du coup, je sais maintenant. Il faut que j'aille directement sur le petit machin. Hein. C'est pas grave, c'était juste au cas où. Au cas où j'aurais réussi, par miracle. Let's go, tu es où? Tu es là.
Allez, on y va. C'est 40 degrés, hein. J'ai un doute. Dun. Ah! On en est où? Ah bah... D'accord. Super. On peut le voir ailleurs ou pas? Là j'avais la... j'avais mon vaisseau en plein dedans quoi. Je suis à 21 là. Putain, j'ai le vaisseau en plein dans la... en plein dans la vue là. J'ai le vaisseau en plein dans la vue, c'est une horreur. C'est la pire position hein. Et je crois que j'ai déjà vu le truc en fait. Depuis que j'ai installé le DLC, il me semble que la zone noire là, à un moment, je l'ai vu. Mais regardez ça, c'est infernal. Mais quoi, 36 là? Oh! Bah! Putain, y'a un truc. Merde! Qu'est-ce que je fous? Putain, je suis en train de me paumer. Qu'est-ce que je branle? Je vais tout paumer. Vite! Des vaisseaux aliens. Ça fait tellement vaisseaux spatiaux de série Z. C'est rigolo.
Je suis où en fait? Ah. Langue incognito. Bah ça se voit bien que c'est pas Nomai de toute façon. Ok, j'ai compris. Non, 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 non! Arrête. Aïe. Aïe. Ah, on voit le, okay, on voit le système solaire, le système stellaire dehors, à travers le ventilateur géant là. Pourquoi il y a un ventilateur géant? La gravité, ok. La gravité est un peu plus, plus élevée que sur Atrobois, mais ça va quoi. Ah, c'est la lanterne. Bon, on va la prendre. S'il y a une lanterne, c'est probablement pour en faire quelque chose. C'était vachement plus grand que nous, hein, je crois. Ah. Oh là. Ça réagit à la lumière. Ok. Ah oui, d'accord. On dirait bien... On dirait oui, belle déduction. Ah bah ouais, général. Bah, je suis habitué. Je suis habitué parce que j'ai joué... j'ai joué avec Avorpal. À Resident Evil 6. Et le mobilier est énorme. Donc bon, voilà, ça me rappelle Resident Evil 6. Avec Avorpal. Ah! Carrousel des diapos. Ah mais il me faut, il faudrait que la lanterne, je la répare, c'est ça? Il me faudrait une lanterne qui marche, quoi. Ah non, regardez, ça marche! Je... Ouais mais bon, j'ai pas tout, quoi. Coucou Blacky!
Oula. Qu'est-ce qu'ils sont pris eux? Je suis un peu perdu, mais sinon ça va, ouais. Et on est arrivé sur une drôle de station. Ah! Vite! Merde, c'était où? C'était là-bas. Parce que j'imagine que la boucle a continué à boucler, hein, évidemment. Ok, donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit... Ah! L'œil! C'est l'œil de l'univers, ça. C'est le système... Ouais. Alors, il y a... Ça... Non. Ça, c'est l'Eviat. Donc, c'est notre système... Oh, d'accord, c'est le système. Oh là! Donc ça, c'est le système stellaire sûrement des... Des serres. Cette reprise d'Isaac s'est plutôt bien passée. Ah, ils ont reçu le signal. Ah, c'est des chouettes serres. C'est un mélange entre les chouettes et des serres. Donc ils ont eu le signal de l'œil de l'univers. Attendez. Ah, ça c'est sûrement la structure dans laquelle on est. Regardez, ils ont construit l'anneau là. Et après, voyage. Voyage direction à notre système. Ok, donc ça c'est fait. Donc ça j'ai compris un peu, donc ils sont déplacés. Je retire le carousels. Et je mets le carousels. C'est une armure? Tout sympa ces diapos. Ouais, parce que là par contre ça commence à être moins sympa là. Attendez. Ils allument le truc. Ça met une chaîne dessus. Ok, bon. Ah! Merde. Ah d'accord, là c'est illuminé, c'est parce que... On peut ramener une barque ici. Là, je parle toujours pas la langue. Hein. Putain, c'est chelou. Ça les éteint complètement, ça. Attendez. Alors attendez, le mec il est là, tranquillou sur sa... Attendez, c'est le même arbre? Oui, c'est le même arbre. La petite île, il pêche, il met des petites lanternes.
Ah ça c'est quand ils étaient sur leur planète d'origine. Attendez, je vais me mettre dans le noir. Quoi ? Quoi ? D'accord. Et bah super. Je suis très content. Enfin, je me demandais ce qui se passait, quoi. Faut se dépêcher, hein. Faut. D'accord, ok. Faut vraiment se dépêcher parce que. Il y a le barrage qui se casse la binette. Merde. Allez, pousse le radeau, pousse le radeau! Je veux aller là-bas, il y a de la lumière. Ah mais non, mais c'est un autre radeau ça, on s'en fout. Voilà, je veux aller là-bas. Oui, non, je sais toujours pas lire ça. Regardez ça, c'est une... Ah! C'est bien, ils utilisent du carburant, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que je fous là? Voilà. J'ai plein de balles. Ah! De toute façon, il n'y a rien. Non, il n'y a rien au-dessus. Oh, c'est super, je me suis arrêté là pour rien, quoi. Merde! Merde, mon radeau! Et non là. Super, génie. Attendez, faut que je le... Je peux pas l'éclipser ? Y'a un truc là-bas, non ? Ah là, il y a un autre monsieur. Oh, c'est les mêmes. Oh, c'est les mêmes. Attendez, j'enlève tout. Enlève les lanternes. Hop, vas-y. Eh. Ah. Ah.
Putain, ils sont flippants. Putain, les chouettes cerfs là. Il y en a un qui est manquant. Pourquoi il en manque un? Mais ils ont dit que le jeu il faisait peur là. Moi je vais me foutre complètement dans le noir pour être sûr. Pour être sûr de bien flipper. Je vais me mettre complètement dans le noir. Est-ce que je suis sérieux? Ah merde, non, il y a les ampoules là. Ça met pas dans le noir en fait. Ah mais en face là-bas, il y a un truc. Mais un truc là aussi? C'est juste une chaise. Merde. Ah ! Mais regardez. Ah merde. Ah merde, ça donne rien en fait. J'ai juste de me faire baiser. Je viens juste de me faire méga baiser en fait. Bah si. Là il y a un truc. Je l'ai vu. Bon, je vais crever hein, mais c'est la fin de la boucle. C'est la fin de la boucle là, donc je suis où? Est-ce que je vais la voir la fin de la boucle ou pas? De là où je suis. Merde. Je fais le con, je vais pas la voir. Dommage. La voir ou pas? Pas mal comme première boucle. T'as pas peur? Bah vas-y. Par contre, on meurt pas à cause de la supernova. C'est pas la mort à cause de la supernova, ça c'est la mort parce que il y a les statues qui sont
Enfin, c'est. On est mort par le temps, on n'est pas mort par la supernova. Mais comment j'y retourne maintenant? Maintenant que je sais que le truc existe. Ah! Et attends une minute. Ouais, je suis de courant pour les codes de lancement. Non, quoi, j'allais te dire si tu pouvais utiliser le journal de bord pour placer les repères de destination sur les yeux que tu as déjà visités. C'est une fonctionnalité brillante, si je puis me permettre, terriblement utile. Et le risque de que le régulateur de carburant fasse court-circuit ou que la fusée explose est si minime qu'il n'y a que Gosan pour s'en inquiéter. Comment ça, minime? Minime, par les étoiles, t'en fais trop. La seule chose qui risque de tuer, c'est le pilote automatique. Ardoise, comment fais-tu pour trouver ces idées incroyables? Je fais toujours mon mieux avec ce que j'ai. Vraiment, tu me flattes. Le timing est absolument parfait, merci. Pas de problème, petite pierre. Moi, j'ai un feu qui m'attend. Et toi, tu as les codes de lancement à prendre. Plaisir avec le système de repère quand tu seras dans l'espace. Juste évite de le suivre trop directement pour pas finir dans le soleil, d'accord? Nice! Donc ouais, je peux utiliser mon journal de bord pour mettre un point. Et du coup, ne pas avoir à me faire chier à retourner... d'accord, ok. Parce que sinon, ça m'obligerait à retourner avec les 40 degrés et compagnie, là. Ah mais genre, j'ai trouvé tout ça. Donc on l'a appelé l'étranger. Un gigantesque anneau artificiel dissimulé par une sorte de champ de camouflage. Il semble pas être à l'origine Atrienne ou Nomai. Voilà, je l'indique sur la TH. Un carrousel de diapositives des plaines fluviales m'a montré un coffre étrange en train d'être fermé et scellé avec des chaînes et un symbole lumineux. Oui, ça j'ai compris ça. Une région de basse altitude à près de l'entrée de l'étranger. Il y a des habitations en bois le long des berges du fleuve. Carrousel de diapositives montrant l'origine de l'étranger et de ses habitants. Plusieurs diapositives ont été brûlées, peuvent pas être visionnées. Une tour qui domine l'une des îles cendrées. Les étages supérieurs ne sont accessibles que par une deuxième entrée située à l'arrière de la tour. Après, je peux monter tout en haut et il y a... ouais, d'accord. On va essayer de faire ça tout de suite, là. Deux petites îles rocheuses liées... Attends. Deux petites îles rocheuses reliées par un village de maisons sur pilotis. J'ai trouvé un imposant symbole métallique représentant l'œil de l'univers dans un bâtiment détruit par les flammes. J'ai un peu de... Est-ce que le pilote auto peut m'y amener? Est-ce qu'on est dans le bon sens? Est-ce qu'on est du bon côté? Ah non, on n'est pas du même sens? Non? Je rentre pas par la même porte là, j'ai l'impression. Bah non, c'est pas du tout le même truc que tout à l'heure, hein. Ah si, c'est le même truc, mais je suis à l'envers. Là, je suis juste à l'envers, en fait. Quel con. Quel gros naze. Quelle espèce de gros naze. Alors. Quoi? C'est là où j'ai... Hein? C'est pas là où j'étais tout à l'heure, ça? Ah mais non, je suis à côté du... Je suis à côté du barrage? Je suis pas du tout rentré au même endroit, là. Tu te moques en disant que j'ai un bon sens d'orientation? Je sais pas si c'est sarcastique ou pas.
Aïe! Putain, mes genoux. Non, vraiment. Ok, merci. Merci alors. Hey, salut Rubik. Ah. Désolé. Coucou Rubik, merci beaucoup pour ton raid. Salut les raiders. On est présentement sur Outer Wilds, le DLC. Et je viens de commencer. Je viens de commencer, donc je suis un peu paumé. Mais et ça va aller mieux. Attendez, mais faut que je me grouille en fait. Faut que je me grouille, je suis tellement con. Ah mais voilà, j'ai commencé... Oui, j'étais là tout à l'heure. Alors, les gens qui veulent le faire... Par contre, ouais, je déconseille aux gens... Si des gens, vous voulez le faire, je vous déconseille de rester sur le stream, parce que, évidemment, ça spoil à mort. Et donc, c'est peut-être pas un jeu... où vous voulez être spoilé. Donc, je préfère prévenir... Elle est où la tour? Putain, je sais pas où elle est. Aïe! Je m'ai cogné. Allez là la tour, vite! Par là? Non, par là. Allez! Ah là, regardez, faut que j'aille là. Je l'ai. Vite. Je vais y arriver. C'est parfait, j'aurai pas le temps de le faire. Je reviens dans 5 minutes, je me mets en l'heure que ça marche. Quoi? Avance. Merde, il est coincé. Il est coincé. Allez, avance. Oh. Oh là là, mais leur barque. Les pires barques du monde. Ok, donc. Hop. Là, on a les machins. C'est par où? Non, c'est par l'intérieur. Oui, c'est par l'intérieur qu'il y a les escaliers. Mais comment on rentre? C'est tout en bas. Merde. Peut-être fait une connerie là. Ah! Regardez, il y a une grotte. Voilà. Donc là, c'est là où il y a tous les mecs morts. Et bienvenue Dadou. Désolé, hein, je suis un peu pris dans mon truc là. Désolé. Voilà.
Par contre... Là, c'est cool, je prends des diapos. Mais les diapos, faut pas que j'aille les ramener là-bas. Parce que c'est méga loin maintenant. Attendez. Là. Il y a plusieurs... D'accord. D'accord, ok. C'est où? Attendez. Là, c'est là où j'arrive. Il est où le pont? Il est là le pont. Donc faut que j'aille là-bas. Est-ce qu'on peut le faire? Pas l'impression. Et là, il y a trop de courant, je peux pas remonter. Shit yo. Le plus logique serait qu'il y ait un appareil pour voir les diapos pas loin quoi. Ce qui je vous avoue m'arrangerait quand même grandement. Peut-être dans l'une des maisons là. Ça ressemble à un coin où il y a un truc à diapos. Pas du tout. Ah, il y a bientôt tout qui va... Il y a le barrage qui va péter. C'est quoi ça? Voilà. Fuckity fuck, ça... Putain, ça affiche quelque chose. Ah, mais c'est pour dire qu'il y a... Ok. Ah d'accord, ouais, non, c'est pour dire qu'il y a une grotte, d'accord. C'est juste pour nous informer qu'il y a une grotte au cas où on ne l'aurait pas vue. Mais grâce à mon intellect, évidemment. Ah 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 ah. Oh, il y a peut-être du carrousel là. Yes. Une lanterne pétée. S'en fout des lanternes pétées. Elles sont en face. Vite. Hop là. J'ai pas le temps. Alors. D'accord. Symbole. Et Jean Chelou. Là, ils montent la planète. Donc c'est la planète sur leur système d'origine.
Ah d'accord, ok. Donc ça c'est pour me dire que, attention, il y a... Il y a quelque chose derrière, quoi. J'ai déjà tout trouvé. Putain, j'ai déjà tout trouvé, moi. Je suis trop fort. Je suis trop fort, j'ai déjà tout trouvé. Attendez. Ah bah y'a... Oh d'accord. Il y en a deux, hein, c'est ça? Il y en a deux. Attendez, parce qu'il y a le barrage qui a pas tardé à péter. Donc je vais aller chercher l'autre avant que ça pète. Un truc derrière, c'est des malins. Quel stream incroyable, mais oui. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça, on l'a déjà vu, ce machin là. Donc, l'œil de l'univers. Ils ont scanné l'œil de l'univers, eux. Ils sont balèzes. Hein. Ah. Eux, ils ont compris que l'œil d'univers, il allait tout baiser. Ah donc il passe en mode vénère. Ah, il vénérait l'œil de l'univers en fait. C'était devenu un culte. D'accord, donc ça explique pourquoi ils ont cramé la baraque. Ok. Ah, oh 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 oh. Y'a quoi là? Ah, le gros robot. Y'a Nono le robot. Et donc ils sont arrivés sur le système stellaire. Ok. Il a l'air d'être cool le lore, ouais, sur le DLC. Hein. Ah, le barrage vient de péter. Je crois. Donc. Ah, ça c'est le deuxième. J'ai eu le premier tout à l'heure. Donc là, ouais, effectivement. Ah. Ah, donc j'ai plusieurs trucs. Ah, ok, deuxième chaîne. Ok. Ça marche. Je l'ai. Donc là, il y a le truc du barrage qui est en train de tout... Voilà. Bisous les potes. Ça m'a fait très plaisir. Coucou Avarpal. Cette fin de jeu, je t'avoue que la fin de jeu, j'ai pas très très bien compris. Hein. C'est parce qu'il y avait Daphnes dans le chat qui m'a un peu expliqué ce qui se passait. Parce que j'avais pas compris. J'avais pas compris ce qui s'était passé. Bonne nuit, Number 80. Fait un bon dodo. Aïe, oh putain, merde. Quel lendu. C'était tellement spécial. J'avais pas compris que c'était création d'un nouvel univers en fait. Vu que l'univers est en train de crever. Et si on faisait un tour? Oh, il y a une grotte là-bas. Oh là là, il y a de la grotte là.
que l'œil était là pour recréer tout un univers, quoi. Le faire repartir à zéro, quoi. Est-ce que ça fait une boucle? Merde, il s'est échoué ce con. Arrêtez de vous échouer, hein. Ah oui, est-ce que le barrage il était là? Ah, je vais aller là. Hop, donc. Ouais, il n'y avait déjà plus rien ici. Ça va être quoi ici? Ah bah non, regardez, la porte elle est ouverte là. Trop cool les musiques du DLC. Ouais, ça a l'air d'être sympa pour l'instant, de ce que j'en entends. Ouais, après, ce que j'ai franchement aimé, c'est toute la question de l'acceptation de la mort, la symbolique, de se débrancher d'une vie artificielle pour accepter pleinement que nous sommes condamnés. Évidemment. C'est évidemment tout ce que j'ai compris. Oh, il en manque vraiment un. Dans l'autre, il en manquait un. J'aime pas trop ça qu'il en manquait un. J'aime pas trop. T'en es où dans le DLC, toi, Vorpal? Putain, il en manquait un, quoi. Je vois ça comme ça avec la réunion de tout le monde pour assister au grand final. Ah oui, non mais voilà, c'est ça, mais enfin c'est pas... Alors est-ce que c'est vraiment eux ou pas? Parce que, enfin tu vois, il y en a un, je sais plus lequel dit... J'aurais été super content, enfin pas mon mois de maintenant, mais mon mois d'avant. Donc est-ce que c'est une hallucination ou est-ce que c'est vraiment les personnes? Après comme toi, je découvre toute cette zone. D'accord, ok. T'as combien d'heures sur le DLC encore, pour l'instant? Hop là, là il n'y a pas pu, il n'y a pas pu. Alors... Presque pas joué, non, j'ai lancé ce soir, mais j'ai eu la flemme, ok. Ah ça, c'est... La tour s'est pas encore effondrée. Ah mais j'ai plus mon radeau, là. Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Ah, regardez. Aïe. Par contre, je vous préviens, s'il y a des sélacantes, je pète un plomb. Aïe. Mais grimpe dessus. Fais un effort à un moment. Ah. Voilà.
Meuf là. La petite musique des cascades là. Il y a un passage à gauche. Ah mais c'est pareil en fait. Il y avait un passage à droite aussi avec une porte. Tout à l'heure j'ai vu une porte. Remonte. Si déconne pas. Pourquoi la musique s'arrête? Pourquoi la musique s'arrête? Pourquoi la musique s'arrête? Je me suis demandé, comme on voit pas la supernova, est-ce que le fait de débrancher la sablière permet de rester tout le temps que nous voulons à l'étranger? Ah, on la voit pas, mais elle a son effet quand même en fait. Elle pète quand même, donc je pense pas. Ah oui, c'est le truc qui tombe. On a encore des repères temporels. Hein. On se voit pas mourir. Ah, par contre, ouais, on meurt à cause du temps. On meurt à cause du temps, mais on meurt pas à cause de la supernova. Ça on est d'accord. Déjà ? C'est déjà la fin ? Oh, c'est déjà la fin. Donc si on vire le générateur, si ça se trouve, on meurt pas. J'ai essayé hier, je te recommande de le faire. Ça va être une fin alternative à la con dans le genre « Ah là là, vous êtes mort de faim, mort de soif. » Voilà, donc il y a bien un truc aussi ici. C'est quoi ça? D'accord. Malheureusement, je vais jamais pouvoir y aller. Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Y a un trou. Y a un gros trou. Si je monte sur la caisse. Non. Ça me donne assez pour monter un peu plus haut, mais non. Je pense que... Ouais, voilà. Ouais, bah oui, dans cette zone-là, oui, j'ai eu un message... qui disait que ça allait rajouter quelque chose dans mon journal. Oh mais la sablière c'est chiant, ça prend du temps à y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Nous avons le réservoir. Un énorme réservoir avec des bâtiments et des jetées en bois sur chacune des rives. La gorge cachée. Une gorge étroite longeant l'embranchement le plus à droite du fleuve. Il y a des habitations construites en hauteur sur les deux parois de la falaise. Le coffre scellé. Un carrousel diapositive sur l'île centrée m'a montré un symbole lumineux et des chaînes apparaître autour d'un coffre étrange. Un tour qui domine l'une des îles cendrées.
Les étages supérieurs sont accessibles que par un deuxième entrée située à l'arrière. Ah non, mais ça, d'accord, ça, j'ai trouvé un carrousel de diapositives montrant les habitants de l'étranger en train d'ouvrir un passage secret dans une pièce circulaire décorée de lanternes et de peintures murales. On peut voir les habitants entrer en file indienne. Trois pièces sur l'étranger. En train d'analyser l'œil de l'univers. Plusieurs diapositives ont été brûlées et peuvent pas être visionnées. J'irais bien la gorge, moi. J'irais bien la gorge. A priori, quand tout s'est pas écroulé, c'est probable qu'on puisse y aller. Da 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 da. Allez hop. On gagne du temps, hein. On y va à donf. Hop là. J'ai pas le temps, hein. Et donc. Merde. Ah, pousser le radeau d'abord. Pousser le radeau. C'est atterrissage GG. Ah non mais maintenant ça y est là, je... J'y suis pas allé là encore là. Aïe. La petite maison là, j'y suis pas allé. Oh non. Non c'est pas ça. Ah bah ouais, bah, évidemment que j'y suis pas allé. La merde. Ah putain, j'ai glissé du toit. J'ai glissé du toit. Bon, ça y est, on recommence les runs qui durent 2 secondes. Super, super, hein. J'ai glissé du toit, quoi. N'empêche que... J'y avais jamais été. Enfin, j'avais pas fait gaffe. Il y a une petite maison au début, quoi. Je suis mort exactement de la même manière, exactement au même endroit il y a 20 minutes. Ah ça y est, regardez, j'ai que 20 minutes de retard sur Avorpal, je peux le rattraper. Je suis mort exactement pareil en glissant du toit, mais tout le monde c'est fait exprès quoi. A priori c'est un passage obligé quoi. À Avorpal, j'ai retenté d'aller sur la station du soleil en manuel. Bon, j'ai un peu fail. je me suis même pas approché. Parce que je me suis trop approché du soleil en fait et j'ai été pris dans la gravité quoi. Et d'ailleurs, on est où du comptage de points de la slow run là? La boîte de cookies est toujours d'actualité, les zouzous. Bah, on a part, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus à combien on en était. Ah, regardez, il y avait un des symboles comme ça là.
C'est quoi ce machin? Oh, dis-moi pas que... Oh, d'accord. Il y en a un autre. Oh bordel. Concentré, dissimulé. Comment ça? Ok. Minute, il y a de la matière fantôme dans l'étranger, c'est qu'ils sont là depuis un moment, non? Ah bah je pense qu'ils sont morts. Je pense qu'ils sont morts à cause de la matière fantôme aussi. Ils doivent être là, de toute façon on a vu... Ah bah non. On n'a pas vu s'ils étaient là en même temps que les Nomailles ou pas. A priori s'ils ont reçu le signal... A priori s'ils ont reçu le signal... c'est que c'est... C'est que c'est un peu en même temps que les Nomailles, non? Je pense pas, y a pas de corps. Bah, comment ça y a pas de corps? Tu les as pas vus toi? Ah t'as pas vu de corps toi? Ah si, ils sont déjà bien installés dans leur tombe comme s'ils savaient. Ah, ce que j'allais dire, si t'as pas vu de corps, mec, j'ai avancé plus. Hein. Pas de corps, pas de mort. Attendez, faut que je vise bien. Déconnons pas. Aïe. Déconnons pas. Voilà, j'ai oh, j'ai bien visé. Je sais pas à quoi il sert l'artefact, hein, mais... Ah, est-ce que ça sert pas à lire? Je devrais explorer plutôt ce qu'il y a en bas en fait. Parce que tout va se faire arracher bientôt là. Allez, lâche ton truc là. Ah, c'était là. Hein? Quoi?
Ah voilà. C'est pas la même salle du coup. Tu dis encore cette salle mais c'est pas la même. Ah mais regardez! Non. Regardez, je suis des vôtres. Si je me mets là. Aussi je veux la flamme là. Pourquoi moi j'ai pas le droit d'avoir la flamme? Aïe. Il m'a fait peur ce con. Ah bah. Oh non, là quoi. Attendez. Artefact, insertion. Ça marche pas. Alors. Là. Hop. Il y en a deux. Promis, dès que je vais être un peu coincé, je vais vous demander, hein, donc vous en faites pas. Hein. Ah, regardez. Ouais, non, ok. Non, regardez pas. J'en fais jamais. Ça commençait à ressembler. C'est moi qui décide. Attention, même si j'ai rien, l'épée au bout de mon bras. Tu vois, il y a Blacky qui est paré. Paré à dégainer, quoi. Qu'est-ce que... Quoi ? Putain, les artefacts. Faut que j'aille chercher... Non, j'étais où? Par là. Vite. Qu'est-ce que je fous? Je suis trop bas là, je vais crever. Hein. Alors, attendez. Faut que j'aille chez les machins là, voilà. Je vais chercher une...
Une loupiote. Non, t'inquiète, là pour l'instant c'était voilà, c'était juste en prévision. Tu disais ah peut-être à l'endroit tout ça, donc voilà, c'était rien, hein, c'était rien, mais je sais que ce genre de jeu, on a tellement envie de dire des trucs et tout, mais c'est pas, je pense pas que c'est fait méchamment quoi, au contraire. Mais là ouais, non, j'ai vraiment envie de me planter tout seul. J'agette ce qui se passe entre deux messages avec mon rencard de Dim. Oh là là, mais regarde là. Oui, je vais te demander après, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je vais te demander des... Plein de détails. Et donc, il y a le troisième là. Paf. Ils mettent la troisième ceinture là. Ok, bon, ça on a. Il est où le deuxième? Il est là. Non, il n'y a pas de troisième rancard. Ah, encore heureux qu'il n'y a pas de troisième rancard. Alors. Ah mais regardez, c'est le... Ah bah ça c'est le dispositif. Donc ils sont là, ils regardent. Ils regardent le système stellaire et là ils se disent, les gars, faisons un rendez-vous sur Teams. Et là ils sont tristes parce qu'ils se disent, voilà, on va tous crever. Ah, on va peut-être apprendre comment ça marche leur truc là. Là, ils font un gros dodo. J'aurais très bien pu avec le relou de... Regarde là. Regarde là comment on se la raconte. Madame, je vais être toute seule toute ma vie. Pourquoi il y a une porte? Oups! Oupsie! Je crois qu'ils ont tout cassé. Attendez, il y a une porte, hein. Je suis pas con, il y a une porte de l'autre côté. Hein. Allons voir. Allons voir la grotte. Je suis allé voir là-dedans. Est-ce que je suis allé voir là-dedans? Je suis allé voir là-dedans. Aïe. Oh, ils étaient grands quand même. Ah! Donc ça c'est la grotte. Et ça depuis le début ou pas?
priori, il y a un code. Elle découpe. Merci. Ça, c'était pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué à trouver, quoi. Ah mais c'est là où j'étais. Putain, c'est là où j'étais. Ça m'a ramené là où j'étais. Hein. Il y a combien de symboles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 symboles. Il y a 8 symboles. Il y a les quartiers de lune. Il y a Saturne là. Il y a le soleil. Il y a les étoiles. Il y a moi dans mon scaphandre. Il y a la flamme. Il y a un truc derrière. Il y a 100% un truc derrière. Il y a peut-être déjà un truc derrière ici. Bon bah non. Ah, attendez, il y a Arabia qui veut sortir. Hop, je vous pose 2 secondes. Je vais ouvrir Arabia. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière là-bas? Ah, parce qu'il y a un autre étage. Chose que je n'avais point vue. Si, je l'avais vue. Non, c'est là-dedans où on arrive, non? Oui, c'est la grotte. Non, c'est là où je repars. Oh là là. Ça y est, je suis déjà complètement rebou. Il y a un truc dans la cloison, hein. On s'en fout peut-être en fait, mais... Et voilà, on arrive de nouveau là, quoi. Là, il n'y a pas d'issue. C'est pas clair, hein. Merde, j'ai refermé la porte, c'est pas grave. On arrive là. On arrive là. Il y a des artefacts partout. Alors, j'en avais pas trouvé. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à se baisser pour en ramasser, quoi.
Ah! C'est bientôt la fin de la boucle. Fallait peut-être pas que je descende. Peut-être fait une connerie en descendant. Ah bah oui, je me retrouve là où j'étais tout à l'heure. Je peux pas remonter. Je peux pas remonter, c'est pas grave, c'est la fin de la boucle. Essayons de découvrir des choses sous le niveau de l'eau. C'est joli ici. Ah! J'ai trouvé le... J'ai trouvé le coffre. J'ai trouvé le coffre. On a le coffre. Ouais, je pense qu'on va faire une dernière boucle. Hein. Il est bien planqué. Ouais. Il se cache. Il se cache le coquinou. En même temps, j'ai pas très très envie de faire copain-copain avec. Hein. Je suis pas méga ambiancé quoi. Carousel de diapositives montrant les habitants de l'étranger en train de se rassembler autour d'un étrange feu vert. Plusieurs diapositives ont été brûlées, elles peuvent pas être visionnées. Temple abandonné, appartement symbole d'un carousel de diapositives en train de brûler. Il est accessible grâce à un passage dans la gorge cachée. Et une interface à l'étage qui permet d'aligner les symboles selon une séquence verticale. J'ai trouvé plusieurs artefacts métalliques ouvragés dans un atelier entouré de matières fantômes. Trouver un coffre étrange enveloppé de chaînes comportant trois symboles lumineux. Un carrousel de diapositives, des plaines fluviales montrant un coffre étrange. Ouais, elle m'a montré un symbole lumineux et chaînes apparaîtront d'un coffre étrange. Structure immergée. Une large structure métallique suspendue par des chaînes. Putain, c'est Hollow Knight, hein. C'est vraiment Hollow Knight, hein. Tu lis le message que j'envoie dans mes... Je veux dire que c'est un coquin. Ah. Ah. Non? Non, j'ai pas installé un mouchard, c'est pas vrai. Il y a un coffre scellé illuminé par un feu vert à l'intérieur de la structure. Voilà. Poète, 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 poète.
je suis en train d'avoir une idée en fait, mais je sais pas si elle va se révéler être, être correcte. Mais j'ai rien compris à ce qui se passait dans ce DLC, je dors ma moitié. Pourras-tu me faire un résumé plus tard? Eh bien oui, je te ferai un résumé sur YouTube. Il suffira de regarder la vidéo qui dure 2 heures pour avoir le résumé de ce qui se passe. Je t'avouerai que je comprends pas trop ce qui se passe. Hein. Des bisous Johanna, merci d'avoir été là, même si tu as dormi un peu pendant que ça se passait. Attendez, tout ça je l'ai fait. Hein. Ça j'y suis allé, ça j'y suis allé. Là j'y suis allé. Là c'est pour repartir. Wow, 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 ça se coule là, ça se coule. Elle est cool la musique, c'est vrai. C'est vrai que la musique est cool. Recoucou patatarte. Tenue mais soporifique. J'ai conduit une nuit, mais cette fois j'ai pas fait crisser les pneus dans les ronds-points. Yeah ! Ah parfait. Les pneus te remercient. Et donc ouais, je suis en train de me demander si la comète. En fait le merde. Non. Non pitié. Oh chier. Tant pis. Je trouve que les feux verts ressemblent vachement à la matière fantôme. Je peux me gourer hein, mais est-ce que ça serait pas cette race là? Qui aurait créé? Qui aurait créé la matière fantôme pour tuer tout le monde en fait, parce qu'ils étaient en train de se ils ont regardé les nomailles, ils ont dit les nomailles sont en train d'arriver à l'œil de l'univers, enfin ils ont une bonne entrée en matière pour l'œil de l'univers. L'œil de l'univers est là pour nous anéantir tous. Parce que c'est ce qu'ils ont vu en fait, quand ils ont scanné l'œil de l'univers, c'est ce qu'ils ont vu. Et du coup, est-ce qu'ils auraient pas créé la matière pour les buter tous? Ça reste une supputation, hein, mais... Ah merde, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Voilà, là j'ai réussi. C'est des méchants du coup? Bah non, parce que ils ont pas fait... Enfin voilà, pour eux l'œil de l'univers en fait ça allait les détruire en fait, donc c'était juste un moyen de buter tout le monde, c'était qu'un dommage collatéral quoi. C'était pour sauver tout le monde, parce que enfin ce qu'ils ont vu c'est que l'œil de l'univers éradiquait tout, partout.
Oui. Quoi ça? Ah et bah d'accord, c'est pour dire que le gros méchant est en dessous quoi. Ça vibre. Ça a vibré, c'est passé quelque chose. Et là, pourquoi je peux pas le brancher le machin là. Que je traverse avant que le barrage cède. Quand le barrage il va céder, je pourrais plus y aller. Merci Tadeno. Merci, tu as bien lu les règles du chat. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça c'est les viewers que j'aime. Prenez exemple. Oh ! Et merde. Et le barrage va céder maintenant. Je vais avoir les boules. Ah bah d'accord, la lanterne est morte. La lanterne est morte, je n'ai plus de feu. Là. Oh, regardez, il y a un petit portrait. Passer le test avec triomphe. Je ne sais pas qui est cette personne, mais oui, probablement. Bah ouais, mais ma lanterne, elle est morte, là. Ah. Cette lanterne-là, elle est pas morte. Aïe. Je m'ai cogné la tête. Sont où les bandes là? Dans le coin les bandes. Encore un truc là. Il faut un zigouigoui là pour que ça marche, c'est ça? Bien, attendez. Oh, le pire guetteur. Hein. Le pire lancé de guetteur de votre vie là.
Alors, le guetteur, il est là. Te voir y a noyer les lanternes, j'en déduis que c'est ton premier soir sur le jeu. Ouais, effectivement, oui, bien vu, bien vu. C'est un message de prévention, pas de spoil, pas de backseat, sinon coup d'épée. Ça m'a fait peur cette connerie. Ça m'a fait tellement peur. Non! Aïe, aïe. Ah, je suis Keblo. Ah, je suis Keblo. Merde. Oh! Par contre, la petite maison qui était sous l'eau, là. Qui se retrouve plus sous l'eau. Par contre, ça, c'est plutôt bien. Allez. Non, ça marche pas. Ah, c'est verrouillé. Non, Blackie, elle a pas fait le DLC. Elle a pas fait le jeu non plus. Elle a vu pas mal de streams dessus. Mais elle a pas... Elle a pas joué au jeu. J'imagine qu'on arrive de l'autre côté en fait.
On peut pas sortir par là, je suis bête. Tu peux remonter le courant ou pas? Difficilement, j'ai l'impression. Hein. Modo qui déchire, Modo qui déchire. Genius, elle a banni deux personnes hein, aujourd'hui. Hein. T'en as banni combien, toi? Aïe! Oh putain, je me suis pris des pêches là. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Arabia qui est pas contente. Arabia qui est pas contente pour un truc. Je sais pas quoi. Il y a un truc qui va pas. Hein. Se cache pour pas faire partie des quotas. La course au ban. Je suis nouveau, c'est moi qui vais prendre. Mais non. Mais non. Déjà, sache-le, Tadeno. Si tu as follow, tu as deux fois moins de chances de te faire ban. Déjà. Donc, évidemment, voilà, tu as bien pensé à follow la chaîne. Donc évidemment, il n'y aura pas de. Ah, pas de problème de ce côté-là, bien évidemment. Ah oh oh. Ah bah voilà. Oh là là. Roi Avorpal. Bienvenue. Bienvenue Tadeno. Merci pour ton follow de bon cœur comme ça me fait plaisir. Ok. Un petit R comme Rabia. R comme Rabia. T'as fait deux runs, ça s'est bien passé? J'ai un peu déconné sur celle-là moi. Je crois que sur celle-là j'ai un peu déconné. Il y a les trucs en haut. Mais là il manque un mec là. Dans celle-là il manque un mec. Et en plus je me pète la tronche. Quel gros naze. Pourquoi je range pas ça moi? À quoi ici? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons pas grand chose. Ouais j'ai découvert plein de trucs, cool. Et si tu t'abonnes, alors si t'es en tier 3, si t'es en tier 3, bon. On va y réfléchir quand même à deux fois avant de te ban, hein, mais. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas banné, hein, mais. La preuve, il y a des fois, il y a des subs offerts. Il y a des fois, il y a des gens qui sont subs. Parce que le sub a été offert par le. Par le streamer lui-même. Et ils se font quand même banner, hein. Comme quoi? Comme quoi, ça ne protège de rien. Et bon, dans le doute, allez-y. Ah, oui, ah non, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin de la boucle. Aïe. Merde. Ça, j'arrive. Oh bah putain, j'ai du mal. Hein. À remonter dessus une fois que je suis descendu. C'est bientôt la fin de la boucle, malheureusement. Quand le truc se pète la tronche. Le streamer offre des choses ici, bah oui. Pour mon centième photo... Bah j'ai raconté cette histoire, là tu blagues ou t'as jamais entendu parler de cette histoire? Pour le centième follow, j'ai offert un sub. Et je les banne le lendemain en fait.
Parce que c'était un sale con. Voilà. Je lui ai demandé de se taire plusieurs fois. D'arrêter de balancer. Ah, il y avait un truc là, hein. Regardez. D'arrêter de balancer des trucs de merde. T'as jamais entendu cette histoire? Bah d'accord, bah voilà, bah du coup tu la sais. Donc voilà, je lui ai offert un sub parce que c'est le 100e follow, et puis le lendemain, bah je l'ai ban parce que le mec fermait pas sa tronche quoi. Quand je lui ai dit. Donc voilà. Je suis vraiment content que le DLC soit sorti, je découvre plein de streamers. Avant la sortie, il y avait pas beaucoup de streams à Outer Wilds. Ah moi j'ai commencé le jeu avant la sortie. Avant la sortie du DLC, alors c'était pas en prévision du DLC, c'est parce que voilà, j'avais l'occasion de le faire et j'avais envie de le faire. Donc ce qui finalement est plutôt bien tombé quoi. Mais c'est clair que ouais, en ce moment, il doit y avoir la max de stream sur le jeu. Bon, de toute façon là, je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps de faire quoi que ce soit. Ça va être la fin de ma boucle. Dommage. Dommage. Est-ce que j'ai trouvé des choses dans cette boucle là ou pas? On va aller voir vite fait. On va aller voir vite fait mon ordinateur de bord et après j'arrêterai. Mine de rien. Déjà 23h16. J'ai pas l'impression d'avoir trouvé grand chose dans cette boucle là. J'aime beaucoup quand on voit la lune quantique, quand on se réveille et le fait qu'on cligne des yeux, la lune quantique disparaît. J'ai trouvé un nouveau module à code. Ouais, effectivement. Mais ça a pas dû s'ajouter ici, quoi. Ah, y a un lien qui s'est fait. Un énorme réservoir avec des bâtiments et des jetés en bois sur chaque rive. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, j'ai rien de nouveau. J'ai rien de nouveau qui s'est rajouté à l'ordinateur de bord. Allez hop, ce n'est pas grave. Pif. Des bisous YouTube, à la prochaine.